Bonjour, je suis Rudy de Box Office. Bonjour, je suis Chris Boston de Box Office. Nous allons voir aujourd'hui comment se protéger les mains quand elles sont fragilisées. Nous allons donc repartir sur une protection de la main, où cette fois, pour plus de protection encore, nous rajouterons des bandes de mousse sur les parties qui vont être soumises au choc. Donc, pour les métacarpes, nous allons placer une bande de mousse qui recouvrira entièrement les métacarpes et la caler de manière à ce qu'elle ne bouge pas avec la bande et qu'elle se retrouve bien au centre des métacarpes, justement. Merci. Il est très ergonomique. Ensuite, souvent, lors de séances dures, le pouce souffre également sur un mauvais placement de la main ou un déplacement de la tête de l'adversaire. Et on vient en général se percuter le crâne de l'adversaire ou les coudes. Et là, nous allons donc essayer de protéger ce pouce en plaçant sur les parties qui vont être exposées la bande de mousse en plus du bandage. Donc, on emballe bien le pouce avec la mousse. On revient sur les métacarpes pour bien plaquer l'autre bande. Et cette première bande est donc terminée. Ce premier bandage est très proche d'un strapping pour blessure. Nous allons continuer le bandage traditionnel avec la deuxième bande où on reprotège encore les métacarpes et on va venir plaquer cette bande de mousse en croisant la bande en diagonale et en passant entre les doigts et en remontant sur l'extérieur sans tirer sur les doigts. La main doit pouvoir se verrouiller et se fermer facilement. Ouais, tout à fait. Ensuite, on repartira de l'autre côté en diagonale. On repartira sur l'extérieur de la main, toujours sans tirer sur les doigts. Et on finira par repartir sur le système de croix pour immobiliser un tout petit peu plus le poignet. Et nous aurons enfin un bandage efficace pour pouvoir boxer un peu plus dur que la normale. Il ne nous reste donc plus qu'à mettre les gants pour passer à la partie pratique. C'était Rudy. Et Chris, de Box Office. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site. À bientôt. Au revoir.